Bonsoir à tous, c'est Carboy. Bonsoir à tous, c'est Thierry Vike. Alors, Thierry, Ah, ça sixième y est, manche, on a quitté, la moto i, j'en ai marre. C'était bien la moto i, tout ça pour reprendre, voilà, l'énergie carbone. C'est déplorable pour la planète, c'est terrible. Mais bon, c'est ainsi, on l'avait prévu. Voilà. On est revenu à la MotoGP pour deux soirées, donc ce soir à Chang, et puis la semaine prochaine, et après on basculera sur la Moto2. Exactement. Donc profitez-en bien, hein, parce que ben forcément ça va changer. Donc après ça va s'entraîner sur d'autres catégories, forcément. Ce sera Oh, ça va. Moto 2 principalement et une petite soirée spéciale Moto 3. Voilà. La Voilà, troisième voilà. soirée compte double, hein, comme la moto E. D'ailleurs, il y avait des réticents, hein, moto E, hein, mais finalement, avec le recul, ils ont bien fait de la faire, la moto E, et s'entraîner, hein. Ils ont ramassé un maximum de points, même s'ils disaient que la moto E, c'était, voilà, C'était pas bien de la merde ou en pas? boîte. Ouais, n'empêche que ouais, on a pu voir des sacrés pilotes, hein. Ouais, Ouais, c'est j'ai un clair, c'est retour. clair. J'ai un Ouais, retour. Bon, en tout notamment. cas, j'espère. On n'a plus que 3 minutes pour dire ça. J'espère Exactement. que tout le monde a été voir comment les dernières modifications qui ont été faites au niveau du règlement pour les deux Eh dernières oui, courses c'est en vrai. MotoGP. Oui, parce que j'y pensais. Je viens de tilter là. Ont-ils lu les informations? Ben, j'espère en tout cas, les gars. Ah, il y a Dimi qui nous souhaite une bonne soirée. Salut Dimi. Et surtout, bonne qualif à Dimi. toi. Hein? Voilà, il est sur mon live. Il doit être sur les deux, sûrement. Donc, bref, on résume. Attention, les gars, pour les deux dernières courses. On a mis un truc parce qu'on voulait vraiment voir jusqu'où on pouvait aller. Bien sûr, on a annulé tout ce qui était pluie, rentrée, sortie, descente. Mais par contre, il y a les dégâts de la moto pour les deux dernières soirées. Hein. Eh Pensez-y, ouais. faites gaffe. Hein. Faites gaffe, même pour les qualifs. Vous broutez pas dans l'herbe parce que voilà, faut quand même faire gaffe. Salut Ah, Anaoï également, ah qui arrive si. aussi. Hein? C'est sûr que s'il tombe pendant les essais, il va falloir réparer la moto avant la course, parce que ça va être compliqué. Et puis pour la course, par contre, c'est un peu mort. Hein? Faut pas Enfin chuter, faut pas bref, chuter. Faut pas voilà, chuter, sinon on elle voulait ira plus loin, voir. la J'espère moto. que vous êtes tous au courant. Hein? Voilà. Voilà. Bon, mais Salut plus que. Moutmout. Bah on verra ceux qui ont lu et ceux qui n'ont pas lu, Salut Moutmout, ouais, j'espère. Enfin bon, on verra de toute hein. façon, hein. C'est pas faute de comment Ah, de faire de la com à ce sujet. Voilà, Dardeville voilà. arrive. Dardeville arrive, donc Ah, très bien. hop. Il va Voilà, arriver il pile poil, hein, arrive. parce que là. Il trouvait ça chaud et puis il vient. Bah Bon, écoute, hein. parfait. Dernière petite minute. Logiquement, il va arriver dans la mienne à tous les coups. Bon, par contre, il n'y aura pas d'œuf en chocolat à gagner ce soir. Hein. Je Non, tiens à signaler il n'y ça aura par même pas de contre. petit Non, lapin. non, non. Mais on va très bien, Moutmout, -mout, merci. Et toi? T'es en forme? T'as la patate? Comment vont les deux meilleurs organisateurs? Bah écoute, on Eh essaye de faire ben, en sorte de faire le mieux qu'on peut voilà, pour que tout le on monde tâche de rester s'amuse. au top, surtout. Hein, faut le savoir. Exactement, Voilà, exactement. c'est important. Non mais ça va bien, on est content, c'était une soirée super agréable. Ah, il y a Daredevil qui vient chez moi. Ouais, bah c'est pas grave, vas-y, prends. Ça Ouais. part dans tous les sens. Ok. Oh, c'est pas de Et notre souci. Freddy, il est là, Freddy est là. Parfait. Yam, Virus sont de la partie, parfait. Samus, je l'ai vu également, il est là. Petit loup pépère. Allez, hop, 21h. C'est Pas petit parti. loup. Bon. Bim. Eh ben c'est parti, 15 Allez, minutes. 15 minutes. MotoGP. Chang. Et c'est parti! La semaine prochaine, on sera à Sokol. Il est où, Chang? Il est là. Il est là. Voilà. Parce qu'on fait le circuit quand Non. même. Ah, Chang, il y a des sacrés Ouais, temps hein, pour certains. Ching Chang. Ouais, carrément. Ouais. T'es voir Ah, des petits ça. tours. Ouais. Alors, si on veut la référence mondiale en termes de chrono. Ça Ça va va très ultra très vite, vite. hein. Ouais. C'est la référence absolue. Elle est faite par Turkish Nord, pour ne Ouais, le citer que lui, Brésilien. en 1,24 900 et quelques. Ouais, non, Enfin, là, c'est le c'est. seul à être dépassant, Voilà. descendre en dessous des 25. Enfin, un Ouais, tour non, là, parfait, quoi. c'est. Voilà. Bravo à C'est lui quand descend. même, hein. Mais voilà. Et Extraterrestre, voilà. hein. Et le premier qu'on Vas-y. trouve,
Bon, ben, il y a Dodo qui est absent, mais en une 25-9, c'est vraiment super bien. Et puis Super après, on rapide. arrive à Joe Racing en une Yes. 26-3. Voilà. Le racing, il est Pour très les tout rapide, ouais. premiers. Ouais. Après, ben, on va trouver Dilbos, Fuji, Cupra, Daredevil, Fab. Voilà. Naoi, Tizion. Attention, parce qu'il y a quand même dans le tas des malins qui s'entraînent, mais qui n'ont pas de chrono, ou alors des chronos pourris, mais ils sont plus du tout à jour. Parce que quand tu roules avec eux, ils sont beaucoup plus D'un seul coup, ouais. rapides. Non, mais ils sont plus rapides sur la piste, voilà quoi, c'est qu'en fait, ils sont malins. Ils sont malins et... Donc voilà quoi. Bon, bah, c'est parti, hein, Bon, Thierry. allez, je te quitte, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. On quitte la vocale à 2 et on revient sur une vocale à 1. Et qui est le premier? Alors, qui on va trouver pour le premier tour? On va remonter. On va trouver. Décidément, on va pas l'avoir. Hein. Ah, là, le premier! Et le premier, c'est Virus! Virus qui va annoncer la couleur. Je pense que ça va déjà aller très vite en termes de chrono des premiers tours. Je suppose ça. On va voir si Virus me fait mentir ou me conforte dans mes pronostics. Merci, voilà. Bon, ce sera amélioré. De toute façon, il y a une petite erreur et Virus a fait une erreur. C'est donc plus lui qui va donner le premier, le coup d'envoi. Eh ben, ça pourrait être Freddy. Freddy large, Freddy est large. Mais Freddy n'a pas de pénalité. Oula, freinage. Ça va le faire, on peut espérer. Bon, ça le fait, une 26-6, voilà, d'entrée de jeu. On en a un qui annonce la couleur. On va prendre Michou, qui lui aussi va arriver à la fin. Ah, belle glisse. Eh ben Michou qui prend la pole à son tour. Au suivant de ces messieurs. Qui on va voir? Est-ce que Yam est parmi nous? Oui. Ah, Yam juste pour le dernier virage. Et Yam qui nous file. Allez, allez. Non, cinquième peu. Pour l'instant. Un petit Samus. Allez, Samu 6ème. Naoi. Naoi qui va sur le spectacle. En se prend sûrement la pole. Face à Aldia. Alors ça. Ouais, Sabeka ne lève pas. Comment Aldia, et ça lui a permis de gagner quelques dixièmes. C'est dingue, mais c'est des petites choses qui font toute une différence. Ne pas Pepper qui attend une bonne roue. Ou qu'attend. Il attend quelqu'un. Naoi, attention. C'était un petit peu dur la fin de ce virage. Non, Naoi, il ne bouge pas. Naoi, il reste 3. Alors, si on n'a pas vu Samus, le premier qu'on trouve entre Samus et Yam. Bah, ce sera Yam. Voilà, ça lève pas, accélère fort, là faut envoyer tous les watts là. Un beau freinage. Allez, là, faut accélérer un tout petit peu plus de façon à ce que la bécane elle fasse pas une sorte de goutte d'eau comme là on a pu le voir. Voilà, voilà, Yam toujours 5ème. On va aller voir Samus. Attention, Michou et Daredevil ont eu du rouge.
Voilà, ça, on perd énormément de vitesse sur la fin du virage. C'est vraiment quelque chose à critiquer. Mais pas mal, ça me... Allez, amélioration. Virus. Virus, virus. Virus arrive aussi à la fin. Après, on va en suivre un. Attention à Dardeville qu'on n'a pas encore vu. À l'écran. Virus qui remonte. Cinquième place. Dardeville. Rouge. Ah, il perd aussi. Et troisième. Attention, Michou. Michou, Michou, Michou. Après, là, ce petit Willy, il est dur à éviter. Oh là là, alors il se loupe, dommage. Il se loupe. Allez, on a qui? On a Virus. On a Virus. Non, moi, Virus le scratch. Alors, qui? Samus, Eldia. Allez, on va les suivre. Eldia, pour un tour complet. Freddy est à un dixième de Michou et collé derrière 26 millième d'Ardeville. Allez, Elia, est-ce que cette roue va pouvoir. Non, il n'y a plus la roue. On a vu ta paire apparaître dans le fond. Non. Eldia, il améliore déjà trois vecteurs. Allez, alors est-ce que c'est tout à la glisse ou super droit, freinage, allez, 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 on accélère vite. Il est bien, elle est bien cette sortie. Ah, 2-8 quand même. Ça le fait pas, on va remonter. On va aller voir qui dans les rouges. Il y a un œil rouge, il y a Pépère rouge, et Freddy rouge, Pépère qu'on n'a pas vu. Pépère. Le Pépère. Ah, Pépère qui était rouge et qui est devenu gris. Encore gris. Par contre, Freddy, lui, on va aller voir Freddy. Hein. Freddy, Freddy. Propre Freddy. Ah, il s'écarte. Est-ce que ça va le compter ou pas? Ça a l'air de le compter. Oui. 26-3. Et c'est maintenant Freddy qui est aux avant-postes. 6 minutes 47 de la fin. Allez, Noy. Noy va y arriver. On sent qu'il y a peut-être un endroit où il va faire la différence. Il est en amélioration. Mais il va faire mieux. Connaissant le personnage, ça devrait se améliorer. Ah, ça travaille la courbe, hein. C'est bien, c'est propre. Ça reste là bien. Le petit passage, la roue s'est légèrement levée, voire quasiment pas. Michou en dérive. Son freinage, c'est un peu le cas de Naoi aussi. Ça glisse de l'arrière, ça réaccélère, ça va sûrement être. Non, pas d'amélioration. Pas d'amélioration. On est sur Freddy maintenant, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, Freddy. Qui est rouge. Encore. Allez, une fois n'est pas coutume. Comme si vous y étiez. Ça écarte, je dis rien. Trois rouges.
23. Il est parti à la fin, ça peut être dangereux, mais c'est compté. 26-3 toujours. Pas forcément d'amélioration. Eldia. Et va Eldia. Et c'est parti pour Eldia. Ah, et Eldia qui est gris. Ils ont tous gris. Allez les gars, mettez-moi de l'orange. Ouh, du rouge. Ratatouille, ah, accélère. Pilote en avant. Non, ça ne fait pas, plus de 3 secondes. Allez, on va voir ce qui est le plus répandu sur Terre. Le virus. C'était pas bon. Samus. Autour de Samus. Qui lui a passé ce virage sans pénalité. Alors, c'est pas mal. Ah, mon sang. Dommage, dommage. Allez, 3 minutes. Alors, qui va allumer les secteurs dans un rouge écarlate? Alors, attendant, on va suivre celui qui est le plus proche de tout ça, Naoi. Le plus petit virage sur la gauche, c'est pas forcément évident. En tout cas, avec 26-3, c'est un superbe temps qui a été réalisé par Samus. Bravo, vraiment. Un 26-3, ça pourrait le placer entre la vers la 40e place. Pas ça, bah c'est bien hein. Un temps pareil pour une qualif, mais il a pas d'amélioration. Allez Yam, là, il fait plus tard, hein. Ah gris, Michou orange. Toujours gris, pardon. Allez, Ayam, que veut dire le troisième secteur gris? Alors, on va aller faire un tour chez Michou. C'est intéressant, Michou. Michou est rouge, après être orange. Pas mal son pilotage, 3 secondes là. Mais là ça va être suffisant. C'est dur de bien se pencher. Ah, ça va se relancer pour un dernier. Il était pas content de ça, Michou. Donc repneu parce qu'il est là, il prévoit de changer ses pneus, mettre l'essence qu'il faut avant les 30-40 secondes nécessaires pour passer. 48. À 48, il va falloir combien de temps pour... Ben, je sais pas, j'ai jamais resté là. De 48 pour passer la ligne d'arrivée. Ah bah, il a le temps. Là, il part par accélération. Il faut 20 secondes. Donc, tous ceux qui vont passer à partir de tout de suite maintenant, ils ne pourront plus faire de tour. Donc tout maintenant, tout joue dans les tours qui sont là. Allez les gars.
En attendant, Daredevil, on n'a pas beaucoup vu. On va aller voir Daredevil. Daredevil terminé. Michou est rouge. Est-ce qu'il va continuer son rouge pendant les 4 secteurs de rouge? C'est sérieux. Ah, et terminé pour Naoi également. Un petit mode TV. Trois rouges. Moto assez stable. Elle écarte un peu, faut accélérer. Non, il y renonce. Il y renonce. Ouais, dommage, j'aurais peut-être pu le faire. Eh ben, on a plus que Freddy, Eldia. Fini pour Pepper. Eldia aussi. On a plus que Freddy. Freddy qui n'améliorera sûrement pas. De toute façon, pour Freddy, c'est rouge ou gris. Et c'est terminé. Et on valide les temps de chacun. C'est la fin de la séance qualif. Les positions sur la grille de départ sont maintenant connues. Sur ces images du classement final, nous vous disons au revoir et rendez-vous pour la course. Et bien donc, la pole a été réalisée par Freddy en 1:26.279. Suivi de près par Michou. Par Michou en 1:26.569. En même temps, je l'ai saisi. Naoi, 3ème, 1:26.679. Voilà, ça c'était pour le podium. 4ème, Daredevil, 1:26.695. Je vais aussi aller rejoindre mon acolyte. Et on va continuer les saisies. Ah, on a un gros chrono de Moutmout. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ouh. Parce que déjà, combien? 1:25.956. Ouh là 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 là. Moi j'ai Freddy en 1:26.279. Mais il est descendu en 1:25. Vache. Il est étonnant. Ouais. Il est étonnant. No Star deuxième, 1:26.153, donc de gros chrono aussi. Et Joe Racing troisième, 1:26.220. Donc gros chrono. Ah oui, les trois premiers. Ouais. Moi, ouais, ça a abonné là. Il y a le jeu qui a fait des siennes à CB, là, qui l'a sorti, on sait pas pourquoi. Il a rien compris. Jean-Guy, 26.956. Ah, c'est rigolo ça. Jean-Guy, le quatrième temps, il a fait exactement le même temps que Moutmout à une seconde. À une seconde. 1:26.956 aussi. C'est marrant ça. Alors, 1:26.989. Ok. Ouais, ça roulait fort. Hein. Ils avaient gros chrono. Hein. Gros chrono pour quasiment tout le monde, donc ça va être très compliqué d'être en groupe 1. Ok. Non, j'ai trouvé que certains avaient quelques difficultés à réaliser quelque chose. C'est bon. Ouais. Bah écoute. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'écart entre le premier et le dernier. Là. On descend jusqu'à 1:29. Après, si ça amuse, c'est essentiel. Hein. Le chrono, après. Voilà, c'est en tout cas, moi, j'ai saisi mes petits bonhommes. Et Francis. Et voilà, j'ai saisi. Parfait. Attends. CB, tu mets un 2-0-0. Bah ouais, parce que là du coup, je sais même pas s'il va pouvoir revenir, donc voilà quoi.
Je sais pas ce qu'il nous a fait le truc là, mais bon. Je pense que t'as pas sélectionné tout le monde parce que Yannick est devant Freddy. Et t'as aussi. Attends, t'as pas sélectionné encore? Ah bah j'ai pas. Non non, j'ai pas fait le truc. Ah ouais, hein. D'accord, ok. Moi je me demandais, j'ai bah je comprends pas non, les derrière. J'attendais ta saisie d'abord. Voilà. Ok. Maintenant on va pouvoir trier une plage. Vas-y, vas-y. On trie une plage. Et voilà, le tri est fait. Fais le triage. Ça y est, triage effectué. Ah ouais, du coup, il en laisse, c'est vrai, il est en Angleterre, lui, il est pas revenu encore. Ah là 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 là. Il a préféré avec les petites anglaises. Ouais, d'accord. Mmh. Ok, c'est ça, les copains. Là. Alors, bon, une petite anglaise et ça revient pas. D'accord, ok. Donc, ouais, alors 20 pilotes hein, qui ont fait un temps. Mmh. CB, petit loup et Yonley n'en ont pas fait. J'inviterai CB de mon côté. Ouais. Ah. Ouais. Donc, okay. Je vais prendre du 12e jusqu'au 21e. Ok. Attends, 20, attends, 10, 11, non, c'est bon. Je prends du 12e au 21e. Voilà. Ok. Hop. Et pour ça, on va guider la partie, et on va recréer une partie. Hop, 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 voilà. Désactiver 25%, tatati, tatata, nuageux. Je vérifie quand même, on sait jamais. Hein. Faut toujours vérifier. Le jeu est, c'est le roi de la surprise. Donc bien sûr, évidemment, c'était un poisson d'avril pour les chutes et les dégâts. Ouais, on a peu de réaction, hein. Non, non, mais non. Ils écoutent pas, ils sont pas attentifs. Ça sert à rien de faire des poissons d'avril. C'est honteux, hein. De préparer ça depuis 15 jours. Oh là là. Quelle honte. Alors, désactiver, pas de qualif, vue libre. Il y a encore des gens qui sont pas en ligne. Une maladie, ça. Hein. Transmission libre. Hop là. Allez, créer le salon. Allez. Allez, on va inviter. Freddy. Hop. Michou Bidou. C'est bon, j'ai invité du premier au 11e. Ouais, il me reste Yam, Maxi, Eldia. Yam est fait, Maxi est fait. Il y a Fuji qui dit que lui il y a cru. J'ai cru qu'il y a une annulation plutôt dans l'après-midi. Bon, ben voilà. Ouais, on fallait bien qu'on en fasse une petite aussi quand même. Quoi. Oui. J'ai dit tout à l'heure, cet après-midi, en juin, au fait, bah, vous n'avez pas eu, bah, en fait, la course est annulée ce soir. Ah, mais tu te rends compte, il y en a qui sont. Ouais, ouais, après, c'est dur. Hein. Ah, bah non, j'ai fait autre chose entre temps. Voilà. Ouais, bon. Bah, de toute façon, comme tu ne l'as pas lu. Bon, ben, pas eu de petit loup, hein. J'ai pris CB hein, à cause de son problème de déconnexion. Mais il est hors ligne, il a peut-être un vrai problème. Hein. Ouais, non, bon, ben, en tout cas. Moi, j'ai cru que nous faisions un poisson d'avril. En fait, non, c'était pas un poisson d'avril. Ah, c'est pas évident aujourd'hui de savoir de démener le vrai du faux. Hein. Bah oui. Attends, hein. il m'en manque un, et c'est. Non, c'est arrivé là. Mout, il est là. Ah, bah, le là. Là, dit le boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Poisson, je Allez. Suis à 8. Il m'en manque plus qu'un. Moi, je mets les gens dans l'ordre pour pas oublier. Nos stars. Joe Racing. Un gros chrono, Joe Racing, dis donc. C'est humain qui est pas là. Ouais, bah là, il a pas intérêt parce que je fais dire que le blanc. Le blanc. Là. Il suffit de réclamer. Hein. Là, je crois que là, ce serait une très mauvaise idée de sa part.
Alors là. Ah, il a demandé des conseils en plus en termes de pneus pour savoir qu'est-ce qui serait bien comme pneu Ouais. pour la course. Attends, que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok. Ardeville. Ah, c'est bien, les avant-postes sont trustés par des personnes différentes, hein, de l'habitude. Voilà, j'ai Fuji, Ok. Dimis, pas mal, Pépère, on a Humain ensuite. Humain qui était plus rapide que Virus. Que Ah! Dieu. Oh, bah dis, vu comment ils sont entraînés, il y avait intérêt. Ben comme quoi, hein, ça paye. Bah ça paye toujours, hein. Bon, bah moi je suis bon. Si tu me dis si t'es bon, et puis voilà. Les gens sont tous là et je Eh suis dans l'ordre. ben, Par contre. j'ai mes 9 prévus, donc maintenant y a plus qu'à, hein. Eh ben, Y on a y plus va, qu'à c'est parti. rejoindre. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est Et parti, ben mon c'est kiki. voilà. Bon ben, bonne première course et puis à tout à l'heure de nouveau. Ciao. À ta lure. Allez, chong, ching, chong. Alors, on y va. Alors, on va aller faire un petit tour toujours sur le circuit de Chang. Superbe circuit qui n'a que quelques années sur lesquelles les MotoGP roulent. Circuit thaïlandais. Et maintenant, le grand classique, on va attendre tout gentiment que les pilotes soient tous connectés. Donc ça, c'est quasiment fait, on va dire. Après que ces chers mêmes pilotes choisissent leur réglage et décident de la monte de pneus qu'ils vont utiliser pour la course. Alors, c'est parti. On attend, on attend, on attend. Il n'y a plus grand monde. Voilà, maintenant tout le monde est en phase d'un point de vue réseau. Et ça va charger les réglages. Il reste encore Elvia, Humain et Samus pour lancer le Grand Prix en 25%. Je rappelle donc consommation pneus et essence activée en mode fantôme. Il reste encore Samus qui hésite, qui hésite, qui hésite. Très grosse hésitation de Samus. À moins que il y ait eu une pause technique qui se soit imposée à lui et qui fait que il faut attendre encore un petit peu pour la Honda de Samus. Ben c'est bon, il n'y a que du vert partout. Messieurs, les 5 secondes officiel et je vous Tous les souhaite à pilotes tous sont une alignés sur très la belle grille de course. départ. Le compte à rebours est lancé avant l'extinction des feux. Encore quelques instants et le Grand Prix de Thaïlande va commencer. Fuji était en pôle, il est toujours en pôle, il va passer le premier tour en tête. Waouh! Avec une note assez courte. Déjà 5 dixièmes avant le virage. Allez les gars, il y a du boulot.
Toujours 5 dixièmes. Ça se bat juste derrière. Jimmy aux prises avec Pepper. C'est la première ligne. Les trois premiers étaient sur la première ligne. Oula, un gros écart. Pour un pilote. Il se retrouve maintenant à la fin, c'est LDR. Une main qui chute. Fuji a toujours ses fameux 3 dixièmes d'avance. On va passer faire un petit tour sur la quatrième place. Maintenant, ils sont 4 à pouvoir prétendre à la victoire. On a Yam et Mathieu Francis en bataille. Au freinage et à l'accélération, Mathieu Francis encore mieux. Mais là, Yam lui prend la suite. Prudent mais bien réalisé ce freinage et c'est reparti. Accélérable de Maxi, ça monte passer 6e. Fuji quant à lui n'est plus qu'à. Oh là là, quel beau virage. Ah puis c'est pas juste le virage, hein, c'est, ça continue. Samus, il déroule bien. Attention, plus qu'un dixième. On va aller revoir la tête. Plus qu'un dixième d'avance pour Fuji. Jimmy a bien réussi à remonter. Et derrière, juste derrière, Pepper Virus. Deux styles différents en freinage, le plus efficace sera Fuji. Alors, l'avantage de Jimmy, c'est qu'il a une aspiration. Et alors là, par contre, il ne faut pas être trop loin pour pouvoir en bénéficier. On est d'accord. Alors, à l'arrière, il est trop loin qu'il puisse se passer quelque chose. Des erreurs qu'il peut faire et Virus qui passe en troisième place maintenant. Avec Jimmy juste devant lui. Alors que Fuji est maintenant une seconde d'avance. Pepper qui le colle. Roue dans roue. C'est même mieux pour Pepper. Oula, petit écart, je pense que c'était pour Virus. Ah oui. Alors si on descend un petit peu, on va aller faire un tour du côté de Yam. Si j'arrive à les avoir, voilà. Il y a mon prise avec Maxi Francis, alors que Samus lui a commencé à prendre une petite seconde d'avance. Ça se bat dans la ligne droite, ça freine. Voilà, Yam qui a freiné un petit peu plus, mais qui est un peu large. Hein. Mais qui recoupe, est-ce qu'il aura pouvoir couper? Un peu juste sur la réaccélération. Bah, il ne veut pas le faire. Bon, ça va. Ça va. En attendant, Jimmy, de nouveau, une demi-seconde. On va surveiller ça. En attendant, Eldia qui ferme la marche. Difficile pour Eldia ce soir.
dans cette première course. On remonte sur Humain. Humain qui voit Yam devant lui. Vraiment pas loin. Et Dimi qui a perdu 3 dixièmes. Et Viris qui perd du terrain sur sa paire, qui lui-même perd du terrain sur Dimi. Yam, grande forme pour doubler Maxi Francis à l'instant où je change la vue. Oh là, il y a une erreur de Virus. Et Yam en profite. Et Virus repasse. Ouh, ça cherche un peu. Très très peu de pénalité. Hein. Et quel curieux. Quel furieux avec Maxi en tête. Ça croise, ça décroise. Ils sont trois décroisés. La grande ligne droite avec un grand virage très rapide au bout. Et ça mousse un petit matelas de tranquillité en termes d'avance. Ah, ça se bat. Maxi Virus, Virus Maxi. Et la Virus, un petit écart de Maxi. Et on est sur Yam et Humain. Beaucoup d'écart. Ouais, ils sont quasiment 5 pilotes. Ils le sont d'ailleurs, ils sont 5 pilotes. Tout ça pour une quatrième place. Ah, ça écarte. Et ça revient. Humain qui a écarté, on va dans le... On voit Humain dans le... Non, c'était Elia qu'on voyait dans le fond, c'est pas mal. Allez, on va légèrement remonter. Avec Maxi Francis. Le Virus qui a pris une légère avance. Pépère qui revient sur Dimi. Pépère revient sur Dimi. On va voir sur les équipes. Et celui qui mène les débats. Sur le groupe de fin, il commence un petit peu à s'éclater dans le sens du temps. Parce que pour qu'il s'éclate et s'amuser, ça, ils sont tous là. Il va falloir surveiller Pépère. Pépère remonte. Pépère à l'écran, il voit Dimi, il est tout prêt. Maintenant pour prétendre la seconde place du podium. Par contre Tuji continue de s'envoler maintenant 2 secondes 5. On va aller voir la bataille qui est un petit peu plus à l'arrière. Oh, Pépère qui chute, mon dieu. Pépère chute, c'est dommage, il remontait tellement bien. Ça va faire les affaires de Samus. Oula, chute également direct pour une masque aussi. Décidément, dernier tour, il y a de la chute. Ah, ça mousse également, qui a chuté. Bon, là, c'est normal, on va revenir. Et Humain qui rechute. Ouais, il est sur la tête. La tête qui a 2 secondes 3 d'avance, 2 secondes 2. Sur Dimi. Il est solide. Le père a craqué. Bon, Fuji est impérial, hein. Voilà, comme on gagne une victoire tranquillement. Bravo Fuji, Dimi deuxième.
Pépère qui arrive à son tour et qui franchit la ligne d'arrivée. En quatrième, on a Maxi Francis. Yam, cinquième. Samu juste derrière. Elga qui récupère une place. Et Humain qui ferme la marche. Et ben voilà, on confirme les temps. Nous allons bientôt rejoindre le parc fermé pour recueillir les premières impressions du trio de tête. Mais en attendant, retour sur le classement final de la course. Eh ben bravo messieurs, 1:28.019 pour le premier. Pas mal, 1:28 avec le meilleur temps bien sûr. Donc premier Fujitofu. Deuxième Dimi, troisième Pepper, quatrième Maxi Francis, cinquième Yam, sixième Samu, septième Eldia, huitième Humain et neuvième Virus. Neuvième Virus. Ah bah suite à des chutes, donc ouais, ça a coûté cher tout ça. Bon, on va retourner voir notre acolyte. Tire pour les 50 incessamment sous peu. Re. Bon, Fuji premier, Dimi deuxième, Pepper troisième. Bah, premier Nostar, deuxième Freddy, troisième Naoi. Moutmout qui est tombé. Ah, mince, ah, ça. Il a chu. Ça coûte très cher. Il a chu. Bah, Il a chu, mais un peu tard qu'on lui prendrait plus. Voilà. C'est pas grave, c'est qu'un jeu, il n'y a pas mort d'homme. Ah, je sais déjà ce qu'il est en train de se dire. Oui, mais je connais ses célèbres phrases à ce sujet. C'est pas bien grave. Bon, en tout cas, non, la première était vraiment. Ce sera mieux dans la deuxième. Et bah puis oui. Voilà. Joe Racing qui est tombé dans le dernier virage, c'est dommage. Ah mince. Eh ouais. Ah bah c'était la grosse baston, ils étaient 5 à vouloir prendre le podium, donc voilà, forcément, il n'y a pas de la place pour tout le monde sur le podium, hein, donc forcément. Non, c'était bien, belle course, très disputée, même on va dire, en queue de peloton, hein, pas péjoratif, hein, on a Dilbos et Fab qui sont tirés une grosse bourre, là, c'était vraiment sympa. Ouais. J'ai suivi un moment là, ils sont bien tirés la bourre. Des boss. On va replacer tout le monde dans l'ordre. Hein. Attends, je sais pas là. Je fais n'importe quoi moi. Michou, c'était un Michou. Voilà. Michou, Naoi. J'avais perdu Limi. Dardeville. Ok, Dardeville. Ok, Jean-Guy. Ok, Jean-Guy, Coupera, c'est bon. Fab et Dilbos, ça c'est bon, je suis prêt. Je le suis pas encore. Ok, on va attendre un petit peu. Humain, Virus, Samusiam. Il avait beaucoup de pression au début de course, Moutmout, il en avait 5 ouais, assez basses. Et crois-moi qu'ils étaient dans son pneu arrière. Il était 5, ouais. Donc il avait grosse pression. Il avait Mijou qui était très 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 présent dans sa roue arrière. Mmh. Ah ouais. Bon, en tout cas, ce coup-ci, c'est bon. Je suis prêt. Ah, faut mettre 50%. C'est mieux. Peut-être. Ouais, j'ai envie. Tiens, allez, 50%. Allez, soyons fous, mettons 50%. 50%. Donc il n'y aura pas de qualif, hein. Pas d'entrée rapide, on s'en fout. Dégâts de la moto activés. Voilà. je tiens aux collisions et aux dégâts de la moto, n'est-ce pas? Je tiens. Voilà, juste pour me faire détester. Allez, c'est bon pour moi. C'est parti, on est parti. À tout de suite. Enfin, tout à l'heure. Okay. Bonne course pour toi. Tchuss, toi aussi. Allez, c'est reparti. Chang, 50%, MotoGP. Eh oui, comme a dit Cardboy, c'est reparti. Et on y va.
Voilà. Les consoles se mettent en phase. Il reste plus celle de Fuji et Eldia. Eldia, c'est bon. Fuji aussi. Voilà. On n'a plus qu'à attendre maintenant le passage au vert de tous les pilotes. Je pense qu'ils vont garder la même bande de pneus pour la course longue que la course rapide. On va voir ça du coup. Ça se remplit petit à petit. Fuji et Samus. Fuji, Samus, Samus, Fuji. Qui sera le dernier? Samus. Samus est le dernier. Mais c'est brave. Faut juste être prêt. On attend le vert. Un petit vert pour Samus. Ça va le décontracter sûrement. Voilà, était-il tendu sur la première course? On attend, on attend, on attend. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Qui Samus, il est toujours rouge. Ah ben il est vert. Parfait, Samus est vert, tout le monde est vert. C'est parti. 5 secondes. Tous les pilotes sont alignés sur la grille de départ. Le compte à rebours est lancé avant l'extinction des feux. Alors que va-t-il se passer? Et le Grand Prix de Thaïlande. On va retrouver exactement le même classement à la fin. Ou est-ce qu'il sera changé? Ce sera plus Fuji, Dimi, Pepper. Et boum! On y va, toujours un très bon départ de Fuji. Deuxième Pepper, troisième Samus pour l'instant. Non, troisième, pardon. C'est Dimi. Mais bon, Fuji, fidèle à lui-même, il recommence, il reprend tout de suite de l'avant. Il est très bon dans ce premier. Ah, ils sont quand même beaucoup plus présents. Oula, Dimi, Dimi qui envoie. Ouh, ils envoient tous. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Fuji garde la première tête, mais là, ils ont tous décidé d'aller changer. Et d'ailleurs, ça change. Et d'un, et deux. Deux places de perdu pour Fuji. Dimi en tête. Fuji 2. Mais pour plus on va pas commenter les premiers, deuxième, troisième. Un groupe avec Pepper aux commandes. Pepper qui avait chuté dans la première course. Qui, dommage parce qu'il revenait sur Dimi. Je pense que Pepper, il a à cœur de la gagner celle-là. À la fin du premier tour, c'est Pepper. Hein. On a Yam en quatrième. Ouh, un écart. Un pilote. On a Virus. Ils sont tous collés, donc c'est bien. On passe un petit peu les pilotes en vue avec Samu 7ème, Elvia, Humain. Le jeu les met pas dans le bon ordre. On se dit dans le Calif Room. Et Maxi Francis avec Eldia en bataille. À la fin, on revient quand même sur la tête avec Fuji et Pepper. Et Dimi qui veut pas de toute façon les laisser passer. Et Yam qui suit à une distance très très correcte. Moins d'une seconde pour l'instant, c'est tant mieux. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et c'est tant mieux! Pour tout le monde, pour le spectacle, etc., etc. C'est une très bonne chose. Alors, est-ce qu'ils vont rester, j'espère, comme ça jusqu'à la fin?
à batailler dur. Sous les yeux de Dimi, qui de 9 dixièmes est passé maintenant à 6 dixièmes, il remonte sur eux. Yam également. Non, c'est Dimi qui a pris un petit écart, pardon. Par contre, Yam qui remonte sur Dimi, ce qui peut s'expliquer. S'il y en a qui perd du temps, il y a un autre, parce qu'il fait une erreur, l'autre gagne. Et Fuji, sur une petite erreur de pépère, reprend la tête. Et c'est reparti. 3 tours sur 13. On attaque le 3e. Ah, une belle vue, on les voit de derrière. 3 dixièmes, ça représente quand même beaucoup de dizaines de mètres. Gros freinage de pépère. Un petit peu écarté. Ça fait les affaires de limite. Fuji très régulier. Pas beaucoup d'erreurs, de gouttes d'eau, de choses comme ça. Ou un petit peu juste là. Mais en règle générale, plutôt un beau pilotage propre. Dans le temps. Dimi est deuxième. On retrouve les trois premiers aux trois premières places. Comme en qualif et comme la première course. Et Yann qui décolle. Allez, on va descendre un petit peu. Allez, Pépère Dimi. Dimi Pépère. Ça accélère bien pour Pépère. Voilà, belle accélération. Suite dernier virage, faut vraiment pas hésiter à accélérer vite. Très important, et là beau passage en courbe. Dimi va aller faire la suite. Là c'est des choses qui se passent à 340. Mais Pépère conserve. Combien de temps? Ils sont se finis que à cette dixième. 6 dixièmes de Fuji. Allez, enfin un peu pour tout le monde, on va aller voir du côté de Yam est un peu isolé. Il a une petite marge d'une seconde de tranquillité sur ses poursuivants. Virus 5. Qui voit Yam. Yam qui fait une erreur. Pépère qui rechute à l'instant. Mais je lui en veux pas. Mais disons que c'est dommage pour lui. C'est tellement bien ce qui se passait. Bon ben ça fait les affaires de Yam hein, qui prend la 3e place. Hein. Avec Virus qui a une seconde derrière. Maxi Francis qui chute. On reprend Fuji. Petite marche sécurité sur Dimi. Pépère est à la 6e place après sa chute. Ça se bat entre Virus et Pépère. Virus, Pépère, une. 3. Attention à ce virage. Il peut être superbe, comme il peut nous faire perdre beaucoup de temps. Petit écart d'humain. Mais l'humain est maintenant 4e. L'humain en prise avec ses pairs. L'humain qui l'en veut. Dimi Fuji, 7 dixième pour Fuji. Humain qui tourne bien mieux que Pépère. Ah, une chute de Samus.
Bon, l'écart le plus petit, c'est humain. Humain sur Yam. Je voulais humain. Ah, chute de Yam. Et humain t'en profite. Humain t'en profite et s'il regarde derrière, humain, il a une petite marge de sécurité d'une seconde sur Pepper. On est qu'au sixième tour, on n'est même pas à la moitié, donc encore beaucoup de choses vont de toute façon se passer. Un petit coucou à la tête de la course avec 7 dixièmes d'avance de Fuji, Dini ne lâche pas. 5 dixièmes, 4 dixièmes, 5, ça va peut-être ça a 2 dixièmes, on va dire, de regagner pour Dimi. Attention à Pépère qui, ce coup-ci, se colle, est collé à humain. Il est revenu sur lui pour sa troisième place, il reprend la troisième place. Ça n'a pas duré beaucoup de tours pour se faire. Mais humain est solide. Hein. L'humain est solide. Il est pas mal. Plus d'entraînement pour humain, ça pourrait vraiment faire de très belles choses. Le concernant. Un petit coucou à Pont. Le beau papa d'humain. Ils ont collé et Dini qui est à 4 dixièmes maintenant, 3 dixièmes, on va retourner les voir. Et il y a le gars qui chute. Pepper humain ne se lâche pas, il y a toujours 5 dixièmes entre Dimi et Fuji, 2 dixièmes, 3 dixièmes. On les reprendra dans les grandes lignes droites, je pense qu'il pourra peut-être y avoir une petite différence, ne serait-ce qu'au freinage ici. On va aller voir ça, si vous y étiez. Pour humain, pardon. Humain qui a repris sur Pepper, mais Pepper qui ressort mieux, attention au freinage. Il peut peut-être faire des... Ah, Pepper qui est un petit peu large, mais c'est aussi le cas de humain. En attendant, Virus qui se bataille de son côté. Avec Yam juste devant lui. Le 5 dixième. La bataille, elle est là. Pour l'instant, c'est Fuji et Dimi. Et Pepper qui est de nouveau troisième. On retrouve les protagonistes de la qualif et de la 25%. Légèrement écarté pour Dimi. Ah, ça se situe vraiment à pas grand chose. Et là, c'est humain qui n'en veut. Humain qui n'en veut. Qui est à 6 dixième de Pepper. Il est fort possible qu'une bataille virus-Yam se fasse dans pas longtemps. Mais il reste où ? Attention, ça se barre à l'avant, un dixième. Une bonne sortie, je pense, de Dimi. Non, ça ne suffira pas. Fuji garde toujours la tête au 9e tour sur les 13. Ah, Dimi va faire une actu là. Ça va se faire à 340 s'il vous plaît. Et Dimi freine bien. Il garde la corde, il la garde. Il est doux sur l'accélération au tout début pour éviter de s'écarter. Et il s'enroule en haut. Le fameux gauche. Si on touche le vibreur, on va perdre légèrement du temps pour l'accélération.
Et malgré tout, même si Bini a touché légèrement la bordure, il n'a pas perdu. Ils sont toujours en haut. Ah, Bini, il écarte. Et il revient. Bini est plus agressif, mais commet plus de petites erreurs. Un petit coup rapide entre Vire et Seyam. À 5 dixièmes. Et on revient tout de suite sur la tête. Le Fujidimi. Voilà, et je pense qu'ils prennent du plaisir, ces deux-là. Alors, Bini va le passer et lui-même va se faire repasser par la scie. Non, c'est pas le cas. Bini va-t-il recroiser? Non. Non. Chacun s'attrache. Il n'y a pas trop de différence entre les deux. Ça fait déjà quelques tours qu'ils sont en pleine bataille. Ah, Fuji qui fait une légère erreur. Et Dimi qui prend 6 dixièmes sur ce fameux gauche qui est assez terrible. Dimi qui a une petite avance. Pepper qui a dû faire une erreur et qui se retrouve. Là, il est cinquième. Oui, c'est son erreur. À la poursuite de Yam. Mais un petit peu loin. Non. Il n'a pas à dire. La bataille, elle se situe vraiment aux avant-postes. La première place va valoir cher. Ils vont pas se lâcher. Faites pas d'erreur, parce que ça va être très délicat pour savoir qui arrivera à franchir cette ligne d'arrivée en premier. Et encore un nouveau tour où ils sont toujours roule en roue avec Humain qui est. Qu'on aperçoit un petit peu plus loin. Ah, Fuji qui chute! Chute de Fuji. Il a craqué et c'est Bini qui va en profiter. Bini maintenant premier à 4 secondes 4. 11e tour. Très peu de pénalités. C'est Pepper qu'on a le plus avec 4. Attention. À la sanction quand même. Hein. Attention Pepper. Yann qui aimerait bien remonter sur Pepper. Et Maxi Francis qui a du mal ce soir. Elia qui aimerait bien rattraper sa mousse. Sa mousse à la 6e place qui est à 10 secondes de Yam. Oh là, petite erreur, une supplémentaire et c'est long lap pour sa mousse. On va d'ailleurs arriver au long lap. Juste là maintenant. Et Samus qui fait son long lap. Bravo Samus. Allez, réussis-le. Je pense qu'il est en automatique. C'est plus sécurisant. C'est plus lent, mais c'est plus sécurisant. On voit la chaleur de la piste.
C'est bien, bravo Samouk, il est fait. Pépère. Allez, sa quatrième place. Humain, troisième. Ah, Humain. C'est le dernier tour. Humain a 1 seconde 6 d'avance. Ça peut être bon. Oh, Humain. Humain qui chute. Eh ben, c'est Pépère qui en profite. Et Yam aussi. Fallait pas chuter. Yam en profite. Fuji qui est maintenant en cinquième place, c'est terrible pour lui. Oh humain qui rechute et Yann, parce que s'il y a une troisième place qui semble acquise, ceci dit, Fuji est derrière. Pépère, ben, deux troisième, il a ici à passer deux. Et une belle perf de la part de Dimi qui va franchir la ligne d'arrivée en première position. Plus qu'un virage et ses efforts seront récompensés. Belle longueur d'avance de 9 secondes 7 sur le deuxième. Bravo Dimi, belle victoire de ta part. Chouette. Bravo, on va aller faire un petit tour du côté de Pépère qui va passer ligne d'arrivée en seconde place. Yam qui nous fait le podium sur un Vueling. Quatrième, j'ai fait Fuji. Cinquième, Humain. Sixième, Eldia qui en termine lui aussi. Samus, un petit peu écarté, mais il franchira la ligne. Et Maxi Francis qui termine aussi. Tout le monde aura terminé dans les temps. Bravo messieurs. Avec le meilleur temps pour Pépère. On va tout de suite confirmer les temps. Après un écran noir, on attend. Les temps sont confirmés. Alors, on le présente quand même. Hein. Premier Dimi en 1:27.949. Meilleur tour pour le deuxième Pépère en 1:27.668. Troisième Yam qui monte sur la troisième marche du podium en 1:29.066. Quatrième Fuji après quelques déboires en termes de chute. Humain cinquième, sixième Eldia, septième Samus et Maxi Francis en huitième position. On va tout de suite maintenant faire une petite partie pour inviter tous les pilotes qui ont répondu présent ce soir pour discuter un petit peu. On va inviter tout ce beau monde. Et c'est parti. On va les sélectionner. On sélectionne tout le monde, on va mettre arriver à la fin, on va tous les avoir. Voilà, je pense que c'est bon. Et on invite les pilotes pour discuter un petit peu. Salut Thierry. Salut. Yo. Salut Maxi. Salut. Eh ben, il y en a qui se sont fait plaisir. Hein. Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais enfin, je trouve ça pas drôle en fait. Tu vois, tu me fais encore passer pour celui qui va dire des choses que je vais rien dire. Bref, bon, ça me saoule. Qui s'est passé? Non, mais ça me saoule parce que ben, je trouve pas clairement. Voilà, championnat, c'est le championnat. Après, je veux pas être convoqué pour ça, parce que j'ai pas envie d'être convoqué, mais moi je dis juste que voilà, encore une fois, il y a des gars qu'on voit et d'autres qu'on voit pas, comme Fuji. Et, enfin, Dimi, ça,
fausse tout comme d'habitude. Voilà. Mais je viens d'arriver dans le championnat. Il vient d'arriver. J'ai rien dit, mais bon, ça fausse un peu tout, quoi. Tu roules trop fort et nous. Ah bah oui, il a peut-être eu un petit problème de qualif, hein. Première, j'ai oublié de passer la première sur la grille, donc. Déjà, c'est un mauvais début. On ça ça peut être gênant. Bon, moi, j'ai. je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop comment tout ça se finit, mais on va prendre le tout premier vainqueur sur les deux courses avec Dimi. Dimi qui a terminé deuxième à la première course et premier à la deuxième. C'était solide, Dimi. Sur ces deux courses, c'était sympa à voir. Ils sont beaucoup battus. Bon, tes impressions, Dimi? Ouf. Ça accroche bien, hein? Bien joué. Bien joué, Dimi. Bravo. Ouais, ouais, ouais. Non, mais très solide. Pendant 4 tours, je crois, vous étiez en train de vous batailler tous les deux. Ouais. Ouais. Oui, ouais. Aussi, ouais. Non, moi, c'était vraiment joli. Bravo, en tout cas. Je Merci. Pense que le. Alors, excusez-moi, entre Fuji et Pépère pour la deuxième place, je pourrais pas vous la vendre, hein. Dans le calcul des points, mais voilà, bah, Pépère qui a fini troisième à la première course et deuxième à la seconde course. Après, quand même des chutes hein, pour Pépère. Mais... Ouais, des chutes. Bon, j'ai pu la mettre en dedans, j'ai pas trop joué ces derniers temps. Mon réglage n'était pas top. Et c'est vrai que bon, les premiers tours j'étais bien, puis après j'étais un peu moins bien. Après, j'ai essayé de préserver l'essence, rouler beaucoup en Power 1 et puis pousser de temps en temps, essayer de suivre. Comment dire, garder mon essence lorsque j'étais en aspi, et puis de temps en temps repousser. Mais ouais, belle bagarre, déjà première course là avec Fab, et puis deuxième course également, après la chute, ouais, bah ça a été apporté. Il y a eu quelques rebondissements quand même, hein, surtout en deuxième. Ouais, il a fallu que je pousse un peu, et puis même avec Humain, ouais, c'était pas mal. Donc voilà, bien roulé, Humain. Fuji, je crois que dommage, malheureusement il a dû avoir une panne d'essence, donc dommage à lui, parce que bon, je pense que voilà. Mais non, c'est une belle bataille, belle bagarre. Ouais. Tout à fait. Donc, ben, bravo en tout cas. Ça merci. Bravo. On t'a bravo, vu avec le meilleur temps en plus sur la deuxième. C'est ouais, dommage, bah, j'ai essayé parce que... en fait, vu que j'avais préservé pas mal d'essence, je me suis dit, allez, sur la course, je vais essayer de faire un bon temps, pas tenter le tout, mais voilà, passer en Power 3. Ouais. Et puis, bah voilà, quoi, j'étais cherché. Ouais, parce que j'ai même pas fait mieux en qualif. Donc, ouais. Très bien, ça a parlé en tout cas. Ouais. En tout cas, bravo. En tout cas, bravo tout, pour... c'était bien sympa et c'était super cool, quoi. Bravo clairement. Pour ces deux podiums, hein, pour toi aussi. Ouais, bravo. Ouais. Fuji. C'était bien pour moi, enfin, juste au passage, c'était bien pour moi parce que c'est vrai que souvent je suis en Ligue A et souvent je suis dernier, machin. Et c'est vrai que la plus de bataille, c'est un peu plus d'adrénaline aussi, donc c'est sympa. Super ah, sympa. C'est sûr qu'on est plus. Ouais, c'est plus sympa quand on peut se battre avec des gens qui sont de la même classement, alors que souvent je suis isolé seul, donc bon. Maintenant, c'était vraiment cool, quoi. Ouais. Merci. Très bien. Bon, par contre, on a perdu Virus hein, dans l'histoire. Je sais pas si. Ouais, il a bugué, ouais. Il a bugué. Bon. Bon, ben sinon Fuji qui est parti en pôle, hein, vainqueur de la première course. Au pied du podium pour la seconde, ça se bataillait jusqu'au 11e tour. C'est 11e Fuji que t'as fait une chute, je crois, non? Ouais, c'était vraiment vers la fin, mais vous avez fait 3-4 tours collé. Bravo, hein, en tout cas. Belle perf, assez régulier, très propre sur les virages en tout cas. Oui. Mmh.
Non, c'est dur de tout. Ouais. Pas sûr. Après, ouais. Vous aviez, enfin, ce que j'ai vu, moi, vous aviez un pilotage assez différent. Dimit est plus agressif, mais commettait légèrement plus d'erreurs à s'écarter du point de trage que tu faisais, que toi, tu étais beaucoup plus fluide. On va dire sur tous les ensembles, mais je me suis dit quoi qu'il se passe pour les deux, ils sont tellement roue de roue, il va y avoir qu'un vainqueur sur les deux forcément. Ça va être chaud, ils vont être contents de franchir les lignes d'arrivée tous les deux, ils vont pouvoir se dire ouf. Bon, bah... Ouais. Oui, parce que problème de power 1, tu consommes moins d'essence, mais donc ta moto va rester plus lourde et il faut vraiment arriver à flirter avec le plus un tour. En plus ou en moins, peut-être des fois à passer en négatif avec un coup de power 3, trouver le plein d'enchaînement power 1. C'est vraiment une vraie gestion, hein. Mais c'est pas évident. Voilà, il n'y a pas de secret, quoi. C'est aussi au feeling selon chacun. En tout cas, allez, on va faire appel à Yam maintenant. Yam qui... Alors, j'ai plus les résultats de la première course, mais bon, en tout cas, cinquième, merci. J'ai eu de la chance, hein. Ouais, mais en tout cas, podium. J'ai fait la virus, je suis parti sans réglage à la première. Ah ouais, mince. Donc, j'ai ramé, hein, je tournais à 1.30. Et il y a eu de la chute à la fin, sans ça, je finissais 8e ou 9e. Ah là, j'ai vraiment... Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris un réglage qui était pas bon. Bon, donc, ben, ça peut arriver, les erreurs techniques. Et la 2, ben, j'ai réussi à rattraper parce qu'il y en a qui sont tombés aussi. Parce que surtout qu'il y avait quand même Human, il roulait bien, hein, Human. Hein. Ouais, Human roulait bien, ouais. Human, il roulait bien. Ah ouais, bravo à lui, hein, parce que il serait pas tombé, je l'aurais jamais rattrapé. Hein. Ouais, non, il a fait de belles batailles, hein. Quand tu vois, il est qu'à 2 dixièmes de Fuji. Juste pour prendre une petite référence. Ouais. Mais Fuji, je me suis dit 4e dans le dernier tour, Yam 3e, ça va être chaud. Et Fuji pourrait très bien te rattraper et t'avoir Je pensais qu'il allait me rattraper dans le dernier tour. Ouais. Mais non, finalement, il n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, ouais. Tu as le droit à ton podium. Bah voilà, impeccable. Une Yam sur le podium, c'est toujours bah voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des Yams. Hein, non, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, pourtant, il y a... Il y aurait de quoi faire, ouais. Enfin. On va bon. Alors, Maxi Francis est parmi nous. Bonsoir, Maxi. Bonsoir. Bon, c'était dur la deuxième course, j'ai trouvé, hein. Ouais. Ah, tant que t'étais dans. Ouais. Ouais. Je crois que c'est Samus qui a eu un long lap qu'il a d'ailleurs effectué. Je pense qu'il a fait en mode automatique, mais c'est vrai quand tu regardes tout le tour, c'est long. C'est bien toi, Samus, hein ? C'est moi. Qui a fait un long lap, ouais. Ah ben c'est énormément, ouais. Énormément de temps, en tout cas. Bon ben, j'espère que ça ira mieux pour toi à la prochaine, la dernière MotoGP de la semaine prochaine, hein ? Pour toi, Maxi ? Ouais ? Ouais. Non, mais il est dur, mais il est sympa à la fois. Mais le plus dur reste, moi, c'est le... Au bout d'une des lignes droites, c'est le gauche rapide.
faut aller arriver très vite, faut rentrer dedans, faut pas sortir, parce que dès que tu touches le vibreur, tu perds tout de suite du temps. C'est ce qui a un peu joué dans la bataille entre Fuji et Dimi à ce sujet. Enfin. Samus, dur ce soir aussi, hein, pour toi. Ouais. Ouais. Pas eu beaucoup d'entraînement ou des erreurs de pneus ou un... Non, c'est là, je sais pas, j'ai eu plein de petits freezes, mais bon, ça, je commence à être habitué. Ouais. Mais non, en première course, bon, j'avais bonne régu. Quatrième, tout le monde l'a. Mmh. Et deuxième course un peu plus derrière, mais là la sortie du dernier virage sur ma première chute, j'ai eu un gros freeze. Mmh. Je suis parti en burn et ça m'a fait freeze l'écran totalement. Et du coup, bah, à partir de là, je fais de la merde littéralement. Mmh. Ouais, des fois quand ça veut pas le faire. Non. Je peux comprendre. Mmh. Et puis, bah, on va terminer par Elia. Alors Elia, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de noter, j'ai pas pensé à noter, on va dire. Ton résultat à la première, donc je sais pas combien tu termines. Course courte, j'ai. Mmh. T'étais 7ème, non, je crois. J'étais 9ème. J'ai pris un réglage que j'avais essayé, un réglage de Samus, qui était plutôt bien, mais. Enfin, à l'entraînement qui était plutôt bien, je vais essayer de le prendre pour la course. Mmh. Et finalement en course, en rythme de course, il me convenait pas. J'ai quand même fait un bon départ. J'étais devant, premier virage, je commence à me foirer, je rétrograde et puis bah après fini, je suis dernier. Après course longue, bah j'ai pris mon réglage que j'avais pris. Avant celui de Samus, qui était plutôt bien, et enfin, moi, rythme de course, j'étais bien malgré quelques horaires, enfin, quelques erreurs, parce que, enfin, bah, je veux pas me cacher parce que j'aime pas ne pas dire les choses que j'ai envie de dire, donc, bah, je vais les dire, parce que moi, je suis cash, je pense que maintenant, vous le savez. Sans non plus trop sans cracher. Polémiquer, bien sûr. Voilà. Ouais. Moi, franchement, j'adhère pas au nouveau. Enfin, j'adhère pas au truc que vous avez fait parce que. C'est-à-dire. Après, bon, quand tu dis le. On fait rapide. Hein. Par exemple, je suis devant. Quasiment. Enfin. Je suis quasiment souvent devant. Et quand par exemple je vais voir Noy qui va être en groupe B, bah ça va me bloquer. Et le fait d'avoir certains qui sont plus rapides. Et je vais mal faire ma course. Donc moi honnêtement voilà, je sais que Fuji il roule déjà plus vite que moi. Ah ouais. Dès que je l'ai vu, ça m'a déjà fait peur. Mmh. Et je me suis dit vas-y, ça va être mort, ça va être foutu. Et non, faut jamais penser ça. Bah ouais, moi je le pense jamais, voilà, si j'ai des mecs qui sont plus rapides. Comme ça, malheureusement c'est comme ça, il y a, ouais, y a des t'es libre de tes pensées, ça, je suis entièrement d'accord. Après j'ai rien contre Fuji tout ça, mais c'est vrai que c'est con par rapport au classement que vous avez ouais. fait, parce que moi je suis souvent devant, ouais, mais... je suis bien, et puis d'un coup je comprends. C'est de la merde, ça m'énerve. Alors c'est pas toi qui fais de la merde, mais ce qu'il y a c'est qu'on a de plus en plus de monde qui rentre. Hein. Oui. Après tant mieux pour vous les gars, mais moi ça... Je prends pas de plaisir. Personne. Ah, vachement. L'objectif, c'est de faire une meilleure course, d'une meilleure qualité et d'avoir de meilleurs points. Non, de toute façon, le but de tout le monde, ça, on est d'accord. Je dis pas ça dans ce sens-là, ouais. c'est moi mais qui fait, voilà, ça te trouble, on va dire que ça te trouble. En te voyant ouais. et voyant Jimmy, j'ai pas l'habitude de voir, de vous voir, donc je me suis dit qu'en fait, bah, tout au long, c'était safe pour moi.
Et puis là, d'un coup, en course, alors en plus, j'ai pas passé la première, parce que, tu sais, je me suis dit qu'en course courte, j'étais tellement à l'ouest, qu'en course longue, je vais me concentrer à fond, et je me suis tellement concentré que j'ai oublié de passer la première, tu vois, donc... Ouais, ça viendra avec le temps. Non, mais pas de soucis. Bah, après, tu sais. Après, il faut savoir, les gars, VMV, que plus le temps va passer. Moi, en quittant la VMV, je me suis vachement amélioré. Et je pense qu'en arrivant chez les Titi Boys, ils l'ont très bien vu. Mais c'est qu'en fait, j'ai toujours le même problème. En voyant quelqu'un qui est plus fort que moi, ça me saoule. Et on me dit, mais... Alors, les gars, on va pas. Si vous voulez, vous pourrez toujours en reparler en discussion privée. Voilà, voilà. Mais simplement, mais il faut savoir. Après, en tout cas, voilà, je veux pas être reconvoqué encore les Titi Boys. Moi, c'était. Je suis très content. Sachez une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de monde. Mais merci que tu sois content. Déjà, ça, c'est important. Il faut savoir que plus le temps passe, plus on a la chance d'avoir de nouveaux pilotes qui viennent intégrer notre organisation. Et puis, il peut y en avoir des rapides. On prend le cas de Moutmout, par exemple, que j'ai rencontré il y a un mois ou deux mois de ça. On a sympathisé. Et puis, je dis, est-ce que ça te tenterait de venir? Il est venu, bing. Un groupe A. Donc, dans le groupe A, il peut y avoir de plus en plus... groupe 1. De plus en plus de monde qui arrive. Et la conséquence, c'est que c'est de plus en plus dur d'arriver à être dans les 10, 11, 12... 12, donc faut pas croire que... Voilà. Et il peut aussi y avoir des personnes qui ont du mal, parce que ça devient de plus en plus tendu, des personnes qui ont du mal en qualification. J'ai eu le cas de Dodo, je me souviens, sur une course, jusque dans les dernières minutes, il avait pas de temps. Il aurait pas eu de temps, bing, il tombait dans le groupe 2. Il a réussi à faire un temps qui a pu lui permettre d'être dans le groupe 1. La qualification, c'est important. On peut se voir aussi au qualif. Ça peut être également le cas de Fuji. Est-ce que c'est Dilbos? Dilbos Fuji, il y avait 2 dixièmes. 2 dixièmes, ça peut se faire rapidement. Fuji qui était en une 27-4, là il a roulé une 28-0, mais 27-6 c'est pépère. 27-6, il était quasiment aux portes de la une. Donc faut bien comprendre que c'est tant mieux, on a plus en plus de monde, on a de nouveaux amis. Et c'est un nouveau challenge qui est là, mais faut pas avoir peur des plus durs. Moi, le premier, quand j'ai des mecs plus rapides, je suis content d'être avec eux, parce que ça va me permettre de voir comment ils roulent, et puis voir où est-ce que je fais mes erreurs, où est-ce qu'ils sont plus rapides. Enfin bon, c'est toute une étude à faire. Tu veux, comme on a la main, je te l'envoie, tu le testes et tu verras bien. Mais pas de soucis. Après, alors, chose je sais que je serai moins rapide que toi, toujours. Pas sûr. Il n'y a pas d'âge pour être rapide. Moi, je vous le dirai. Mais surtout, n'hésitez pas dans le Discord, demandez des réglages pour telle bécane. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre. En aucun cas, voilà. Thierry Bike, juste que ça m'a complètement avec Fuji, parce que j'ai tellement pas l'habitude de voir des gars comme Jimmy là depuis qu'on a commencé. Après, c'est vrai qu'il y a le changement de. Il faut que je m'adapte à ce changement là, parce que je me voyais souvent devant et là d'un coup. Ouais. Ça va venir, les caps se passent. Et ça va aller. Mais n'hésitez pas à vous échanger des réglages. Mais bon, déjà, vous le faites déjà. Vous entraînez entre vous. Ouais, on le fait déjà. Faut y aller. Moi, si semaine après semaine, j'ai pas les mêmes dans mon groupe et qu'ils partent dans le groupe 1, c'est tant mieux pour eux. Et puis moi, j'ai du groupe 1 qui va venir me voir et je les casterai. C'est sympa aussi. Voilà. Ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, en tout cas, dernière. Quand vous voulez des conseils aussi, des réglages, moi, je suis toujours disponible pour vous aider, d'accord ?
Ça, vous le savez, je suis toujours prêt à donner des réglages ou des conseils. J'en ai donné ces temps-ci à Moutmout sur le circuit de Chang parce qu'il me parlait de choses qu'il faisait qui n'arrivaient pas. J'ai dit, ben, fais ça, ça, ça. Et puis, effectivement, ça lui a fait faire un vrai bond en avant. Cardboy aussi, on avait vu des réglages de paramétrage de manette qui étaient pour moi complètement fous. On a remis des choses un peu d'équerre, ben oui, effectivement, d'un seul coup, bing, il allait tout de suite mieux. Donc, Eldia, si on a l'occasion, tu me demandes, on étudie tout ensemble, tu me dis ce que t'aimerais, ce qui va pas, et puis on trouve les solutions. Je suis un peu en mesure de pouvoir vous aider tous là-dessus. Hein. Pas trop, voilà. Hein, il va nous battre après. Bah, attends, bah c'est le jeu ma pauvre Lucette. Yann, t'as le droit de me demander aussi. Voilà, et on aura l'occasion d'en discuter. J'ai un réglage à toi, hein, Thierry. Après, ils ont évolué ça, mes réglages, faudra que je t'en donne d'autres. C'est le fait que je me suis énervé en course et je suis arrivé en mode énervé dans la partie et je m'en excuse. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, on sera quelques-uns seulement, puis j'espère qu'on pourra voir un petit peu aussi du monde dans notre petit groupe Titi Boy. Voilà. Moi, je serai avec le petit loup, on sera tous les deux dans notre petit coin. Tu veux venir avec moi? Non, c'est toi qui viens, pour changer. La dernière fois, c'est moi qui suis venu te voir, donc maintenant, ce sera l'inverse, c'est toi qui viens. Bon, dommage. En tout cas, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement pour la future course en MotoGP. On arrivera à la moitié du championnat, donc la fin de la MotoGP. Et je vous souhaite à tous déjà une bonne soirée. Hein. Et de même, à toi aussi. En tout cas, à très bientôt et vraiment au plaisir de vous revoir tous très rapidement. Voilà. Salut les gars. Salut. Bye. Et voilà, on termine cette avant-dernière manche MotoGP sur deux victoires, une de Fuji en course rapide et une de Jimmy en course longue. Messieurs, je vous rends l'antenne. À tous, à très bientôt et au plaisir de nous revoir sur le circuit. Salut à tous, bonne soirée.